Salut à tous, c'est Révodrix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonfire, la série d'aide et de conseils sur Dark Souls 3. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver l'anneau, la chevalière de flamme. Donc c'est un anneau qui va nous permettre de résister au feu, donc aux dégâts de feu, et ça va être très utile pour la suite de mes astuces que je vais vous proposer. Donc notamment pour tuer un monstre de feu par exemple, ça pourra vous être très utile. Donc là cette fois, je n'ai pas nettoyé la zone, je m'en excuse d'avance. Donc il y aura peut-être un accéléré. Bon, moi j'ai encore des choses à vous dire. Donc il y aura des astuces comme ça qui seront liées entre elles, des vidéos qui seront liées. Donc à des moments, il y aura des liens qui pourront apparaître sur les vidéos pour que vous allez voir la vidéo précédente si jamais vous êtes intéressé par le lien qui y a entre les deux vidéos que je vous dis. Oh cool, j'ai gagné leur capuche, j'aime bien leur chapeau. D'où l'intérêt de farmer à des moments. Donc pour récupérer cet anneau, c'est un petit peu la merde, c'est pour ça que j'en fais une vidéo, car moi plusieurs fois j'ai galéré comme un connard à l'avoir à cause d'un petit détail. Déjà la zone en elle-même n'est pas vraiment exposée, mais c'est surtout le moment de récupération qui est un peu délicat, que j'aimerais vous montrer tout simplement. J'ai trouvé une technique pour éviter ce genre de problème, donc on en parlera quand on y sera. Pour le moment on va continuer notre chemin, donc pas de grosses difficultés au niveau du chemin, juste des monstres un peu lambda. Hop, on esquive toutes ces attaques. Donc là on va arriver dans une zone un peu galère finalement, je viens d'y penser, excusez-moi. C'est en passant à travers ces tonneaux. Donc on va tomber sur plein de mobs hyper chiants. Vous allez voir, on va se faire canarder. Il me semble même que j'ai failli mourir ici. Ces mobs là sont juste atroces. Regardez comment c'est fourbe. Donc ne perdez pas vos moyens, faites pas comme moi. Voilà, donc on perd pas mal. On peut vraiment se faire défoncer facilement ici. Donc c'est ça en gros la grosse difficulté. Et plus récupérer l'anneau qui peut être assez compliqué. Vous allez comprendre quand on y sera, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que vous avez remarqué, je vais toujours essayer de partir d'un feu de camp pour vous montrer la localisation d'un objet. Au moins on a un repère. Que de commencer par exemple devant un endroit complètement random. Au moins je commencerai toujours sur un feu de camp, comme ça on aura un petit repère tranquille et ce sera bien. Donc là on va monter ici. Donc d'abord je vais nettoyer la zone, hein. Je vais pas tout de suite aller à la zone, parce que on sait jamais, imaginons il se déplace et vous attaque dans le dos, vous serez mal. Donc moi je les tue tous comme ça, y a pas de souci. Voilà. Bon, un petit coup pour éviter de mourir bêtement. Donc, allez, on va aller dans la zone pour récupérer l'anneau. Donc, on passe sur les toits. Ici, et là, on a un petit chemin. Donc, c'est le seul accès pour y aller. Donc, vous pouvez la jouer discret avec ce mob. Il est assez con, donc on peut vraiment l'éviter. Mais moi, je vais le tuer. Bah, pour vous montrer qu'on peut le tuer assez facilement. Franchement, il est pas si costaud que ça. Il a un pattern assez prévisible. Voilà. Donc attendez, voilà. Je pense, enfin vous voyez le cadavre ici, et bien l'anneau est dessus. Vous ne pouvez pas le récupérer en étant en face. Vous ne pouvez pas récupérer le cadavre en étant en face. Et si vous tapez dessus, il va tomber en bas. Et si vous allez à un feu, et bien il va se réinitialiser. Vous devez faire tout le tour et c'est chiant. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est ça. Vous allez tout doucement et vous tapez pour qu'il tombe ici. Et hop, chevalière de flamme. Donc voilà, c'est assez délicat, mais c'est faisable. Donc on arrive à la fin de cet épisode de Bonfire. J'espère qu'il vous a plu et aidé. Cela dit, moi je vous laisse, portez-vous bien. Ciao !